Fuck. Ah! Oh! Oh my god! Ah! Oh! Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la suite de la série The Last of Us. Donc aujourd'hui, on continue The Last of Us. La dernière fois, on avait tout simplement fait un endroit où est-ce qu'il fallait être hyper silencieux et c'était chaud sa mère. Là, on va être un petit peu plus dans le calme, du moins je l'espère. Et puis, on va voir comment ça va se passer. Faut savoir le truc que j'utilise pour changer de scène et tout, juste vous dire que j'ai passé à la version pro, donc là, je vais avoir beaucoup plus d'options. Donc là, je peux vous mettre la scène vidéo, comme d'habitude, voilà. Et puis, la scène, tout simplement, sans ma cam. Donc ça, je vais mettre sans la calme, sans la cam, durant les cinématiques et tout. Donc ça, ça va être pas mal du tout. Du tout. Et surtout, je tiens à vous dire que les chargements, ils sont grave longs dans ce jeu. Donc depuis tout à l'heure, j'essaie de meubler. C'est pour ça que je vous parle de ça. Et on part tout de suite au jeu. Allez, c'est parti. The Last of Us. On était la dernière fois, toujours avec les deux. Et puis, madame, où est-ce que vous allez, là? Bon, ok. Elle n'est pas pressée. Je pense que je vais prendre... Je vais prendre l'initiative parce que j'ai aucune idée où est-ce qu'elle va. Je suppose que... Ça doit être par là. Voilà. Et est-ce que... non, c'est pas ça. C'est quoi la... À chaque fois, c'est pareil. Je me souviens jamais de la touche. C'était quoi la lampe de poche? Non. Ça va être compliqué. Ça... Ah, ça va pas être si compliqué que ça, finalement. Alright. Est-ce qu'il y a un truc? Ah ouais, c'est vrai, fallait que j'amène ça. Je pense que c'est dehors pour passer par-dessus le bus, si je me souviens bien. Et ouais, les filles, ça va être compliqué de monter ça comme ça. Ok, donc c'est clairement pas faisable. Donc ça doit être par là. Je vois que Quick. Voilà. Tac. On arrive à passer. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'il y a des zombies? Il n'y a pas de zombies. Ok. Allez, on ouvre ça. Surtout, j'ai encore la lumière de merde dans ma face. Il y a... Quoi? J'entends que dalle. On accélère. Ils arrivent. Je sais. Come on, rentre. Wow. Mais je pense que je vais juste fermer un peu lumière. Ah ouais, non, j'en ai besoin. Juste la mettre moins forte parce que ouais, c'est chaud. Ah ouais, le bruit que ça a fait par exemple. Bon, c'est la merde. Bon, comment on sort de cet endroit? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, ça c'est ce qu'elle croit. Pour te faire mordre, tu devais être dans un endroit non autorisé pour tomber sur des infectés. Je peux crafter des trucs. Ouais. J'avais fait le mur. J'étais dans un pensionnat militaire. T'avais fait le mur? Ok. Ouais, pour explorer la ville. J'étais dans le centre commercial quand j'ai croisé des infectés. Je me suis débrouillé. Par la porte. Ah ah. Non. Je suis allé lui demander de l'aide après. Ok, je peux changer d'arme avec l'autre, je pense. Elle a bien failli. Tac. J'espère qu'elle va bien. Elle doit probablement qu'elle est morte. Donc, ouais, ça va être un petit peu compliqué pour toi.
Let's do this. Tout est pété ici. Bonjour monsieur. Vous êtes à moitié aujourd'hui? Je sais pas, mais je... Ok, attention à la tête. Go, 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 allez vous faire écraser. Voilà, c'est ce que je pensais. Je suis en vie. Je vais essayer de vous rejoindre. Tess, go, go. Je sais pas, Joël, je pense que tu peux passer dans le trou, là. Genre, en vrai, ça passe. Mais, ok, il veut pas. Tess. Ta gueule, Joël, Joël. Si au moindre bruit, c'est abusé. C'est abusé. Bon. Fuck cette porte. Va chier. J'ai comme un peu besoin de cette brique. Tac. Ok, fuck it. Normalement, il serait censé être attiré, mais... ça a tout l'air que non. Est-ce qu'il y a un truc ici? Ok, non, ça c'est plein. Tu vois, il y a quoi là-dedans? Chupwick! Ça, on est plein, c'est la merde. J'espère que ça va pas être ça tout le jeu quand même, hein. Je vais pas vous cacher que ça va rapidement me faire chier. Si c'est que des sneaky bastards tout le long. Alright. Ça, je prends. Est-ce que c'est de la vitre? Est-ce que c'est possible que ma bite? Allez, allez. Salut, allez. Je peux pas? Non, encore. Ok, peut-être là. Cette pute. Allez, cette. Cours, Joël! Cours! Fucking hell! Ow! Ow! Ta gueule! Ta gueule! Meurs! Oh fuck! Fuck! Get the fuck out of here! Il y a comme des hyper silencieux de fou là. Pardon, je pensais que c'était une... Ah, j'ai failli la headshot. Ah ouais, elle s'en bat les couilles. Oh, ta gueule, Hitler! Si, espèce de PD. Donne-moi 2 secondes là. Hey, tu vas attendre ton tour comme tout le monde. Voilà. Et il lance une bouteille à la gueule au calme. Oh, nice. Oh, fucking hell.
Joël! Joël, t'es en train de te faire PI par deux gars là, wow! Putain, mais je tire tout à côté! Bon, bah t'es mort. Mais en vrai, je tire tout à côté, je suis trop une bite. Je suis une bite de première classe. Oh god! Pourquoi tu l'as poussé? Bon, headshot. Headshot. Plus de balles. Bon, on va y aller en mode fight. Ta gueule. Voilà. Tu vas fermer ta gueule. Bam! Oh fuck les balles. Allez c'est parti. Bam. Ta gueule. C'est pas fini. Allez tu vas rejoindre ton cousin zombie. Non sti je suis bien graine pour tirer hein. Tabarnak. Ta gueule. T'es adopté voilà. No shit, j'ai fucking sweat. En plus, il y a les silencieux de bite. Et pourquoi ça me pique? Fucking hell. Il y a tout qui se joue contre moi, là. Voilà, bon. Next, please. Quoi, merde, qu'est-ce qu'il y a? Par ici. Ça nous mènera au toit. Bon, j'espère, parce que... Toujours dans les mêmes fucking jeux, il faut aller au toit. Je peux trouver un moyen de traverser. C'est bon. Une planche de bois. Bizarrement. Oh, c'est bon, j'ai trouvé la planche de bois. Comme dans le premier épisode, je crois. Et surtout, encore une fois. Personne ne vient m'aider. Faut que je la mette là. Tu vois le petit rebord jaune. Comme dans n'importe quel jeu qui... qui se le permet tout simplement. Voilà. Ok. Fais bien attention en traversant. Est-ce que tu pourrais... Salope. Il va se péter la gueule. J'ai rien dit. Elle va se péter la gueule. Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. Allez, par là. Hé, traîne pas. On y est presque. Reste concentré. À vos ordres. C'est juste derrière. Allez. Non, voilà. Mais stop à faire, Joël. Oh. C'est pas ta mère. On laisse tous les esprits avancer, merci. Allez, c'est parti. On est presque... qu'arrivé. C'est quoi cette trace? Oh, que c'est juste les traces de sang du monsieur. Sop, ma dude! Ordre des Lucioles. Alright. Bah, ils sont morts, qu'est-ce que je te dis? Bon, allez. Le petit rebord jaune, c'est connu. Bon, va falloir que je la fasse monter, ça. Ou puis, genre, vous décidez. À moins qu'il fallait que je prenne un truc. Ah, alright. Le petit rebord jaune, encore une fois. Allez, spin-a-rooney. Allez, madame, ça dégage, sinon tu vas... Oh my god, tu fais chier, allez.
Bam, ça se place tout seul. Si on peut vous péter les chevilles. On y est presque. On y est presque, Tess. Ça pique. Tout pique, je sais pas pourquoi, what the fuck. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Sauf que j'irai pas dans l'eau si je te vois. Ah. Mon personnage a juste... Mon personnage a juste sorti son gun au calme. Surtout parce qu'il va prendre l'eau son gun, hein. Mais bon. On a pris une douche. Ben, d'eau. Bon, est-ce que c'est là? What's up? What the fuck, c'est qui ça? On fait quoi maintenant? Qu'est-ce que tu fais, Tess? Oh, merde. Peut-être qu'ils avaient une carte ou un truc pour nous dire où ils allaient. Jusqu'où ça va aller aussi comme ça? Aussi loin qu'il le faudra. Où se trouvait leur labo? Elle m'a pas dit, elle a juste dit que c'était quelque part vers l'ouest. Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est pas pour nous, tout ça. Qu'est-ce que tu sais de nous? Oh. De moi. Oh. Je sais, c'est que tu es bien plus maligne que ça. Vraiment? Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance. C'est terminé, Tess. On a essayé. Alors maintenant, rentrons chez nous. Non, je n'irai nulle part. Goddammit. Moi, ça s'arrête là. Pourquoi? Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Mais enfin, qu'est-ce que... Non. Ouf. Ne me touche pas. Oh. Oh merde. Elle est infectée. Ah. Joël. Ah. Fais-moi voir. Ça te fait pas. Fais-moi voir. Ah. Ah. C'est con, hein? Oui, très con. Je me suis fait chier à te ramasser tout le long. Ça fait 3 semaines. Je me suis fait mordre il y a à peine 1 heure et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ces types. Il saura où aller. Non. Ça, c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Si, tu dois. Écoute. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors tu vas l'emmener chez Tommy. Oh non, des nazis! Ils arrivent. Putain. Tu peux les retarder, mais vous devez faire vite. Quoi? Alors, tu veux qu'on te laisse ici? No shit, Sherlock. C'est hors de question. J'ai aucune envie de finir comme ces monstres. Non. Je t'en prie. Non, pas ça plus difficile. Oh. Je peux me battre. Vas-y, pars! Allez. Je suis désolée. Je voulais pas que ça arrive. On y va, dépêche-toi. Oh. Oh, god damn it. Oh. Mais dépêche, elle a dit. Ta gueule, oui, ta gueule. Elle va se faire tuer là-bas. No shit. Tais-toi. Reste derrière moi, on doit y aller. Putain, que je... Joël est en train de tracer sa race. Elle est morte. Oh, man. Ok, par là. Oh!
What? Ok. Je sais pas tirer. Ah. Ta gueule. Je m'en occupe. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Attends. Déjà que je sais pas viser, donc si. Reste accroupi. You le dude là. Fuck. Ah oh, oh my god. Merci Ellie. Fils de pute. Ow. T'as le pire cover ever. Chou, le tout m'a fait peur. Oh, puis je... Ah! Fucking hell! Pourquoi quand je les tire, ça fait ça? Ça fait comme... comme de la vieille purée. Est-ce qu'il faut que j'aille par là, ou... Ça a tout l'air que oui. Oh my god, j'ai eu peur, sa race. Ok, non, c'était pas par là. C'était par où ils sont arrivés. Jesus Christ. Plus jamais, là. Un bat. Bon, à la fin, il va tout... Il va tout avoir sur lui, là. Il va avoir un... Il va avoir un bat... Ta gueule, laisse-moi. On va traverser cette salle. Je réfléchis. Ah. Reste baissé, je sais pas combien ils sont. It's a prank! Le gars, j'ai mis un headshot, ça a rien fait! Bro, y'a des couilles! Ok, lui est mort. Next! Dans l'épaule, est-ce qu'il est mort? Je ne crois pas. Peut-être qu'il fait semblant d'être mort. Je savais. Ow! Oh, lui, j'avais pas vu. Pardon, je suis désolé. Alright. Il y a de l'action et tout. Quickscope. Ah. Dégage. Faut que je me heal. Allez. Après ça, j'aurai besoin d'un moment pour respispi parce que fou. T'as pas un truc sur toi, toi? Non. Alright. Il me semble que j'ai vu un truc là. Un snack. Fuck! It's a prank! Oh, j'ai tiré à côté! It's a prank! Oh my god. Tu veux mourir, Calice? Ok, juste parce qu'ils ont... Juste parce qu'ils ont des casques, ils peuvent se prendre des headshots. Qu'est-ce que tu vas faire? Bam. Qu'est-ce que je vais faire, hein? Grosse merde. Bam. Parce que là, j'ai plus de balles. Dans la merde. Il doit en rester un en quelque part, c'est pas possible. Je suis... No shit. Voilà la sortie, moi je voudrais bien... Des munitions avant. Ok, c'est une lampe. Je pensais que c'est une boîte de munitions qui était en train de flotter, genre. Alright. La sortie. Je pense qu'on n'a pas le choix d'aller au métro. Hein.
Putain, mais c'est des shit qui sont évidents. Oh putain, je pensais que c'était un vrai signe. J'allais. J'allais dire bordel, qu'est-ce qu'il a mangé ici? J'étais sûr! Ah! J'étais sûr qu'il allait rentrer dans le métro avec le. Le Hummer. Ooh. Ooh, what the fuck is this? Ah! Tu les as vus? Non, y'a rien ici. J'ai rien vu du tout. Prends par ici. Regarde par là. Mais où est-ce qu'ils sont, putain? Ta gueule, tu dors. Fais dodo, voilà. Voilà. Ah non, on est là, t'inquiète pas. Y a James. Tu dors, allez. Voilà. Putain. Et on peut se transformer en zombie. Bon, next. On va par où? On va par là. Et d'un coup, je pensais que le métro il bougeait, genre. Je me tape. Ouf. On va trouver. C'est pas nager. Fuck. Alright, solution. Elle ne sait pas nager, on est tous baisés. Ah, appuyez sur cercle pour plonger. Donc faut que je regarde s'il n'y aurait pas un truc. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de truc pour elle. Je veux dire... alright. Moi, en fait, je passe en dessous. On va respirer 2 secondes, parce que là, lui, il est en train de faire de la plongée avec un masque. C'est tellement dégueulasse. Allez, avance, t'es pas mort, là-haut. Espèce de fainéant. C'est bien beau, tu peux l'appeler 12 000 fois là, mais elle s'est pas nager, donc elle t'a pas suivi, boy. Ah, et là, what's up? Est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain? Ouah! Il fait noir sa race de coup là. Jesus! Attends, je vais prendre ça. Merci bien. Y'a quoi là? Mais non, t'inquiète. T'inquiète. Je vais pas te laisser. S'il pourrait arrêter de faire le mort, bah. Ouf. C'est quoi ici? C'est quoi? Des pièces. Alright. Des pièces, c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. Pendentif des lucioles. Je pense que c'est tout. Parce que là j'ai un peu peur de mourir. Blablabla. Tiens-toi prête.
Tiens, tu vas prête à quoi, bordel? Alright. Let's continue the shit. Des fois, il fait le mort, c'est un peu bizarre. Ah. Et moi, je peux pas. Faut que je monte par où? On peut essayer ça, mais... Comment est-ce que je monte, mon cher Joël? Je suis pas sûr si c'est ça qu'il faut que je fasse, mais je vais essayer là. Mettre devant l'échelle. Alright. Est-ce que... Yeah! Ok, non, Joël est peut-être juste trop pesant. Si je mets Ellie dessus. Genre taxi. Tout le monde descend. Saute. Tu sais, je fais exprès pour te foutre à l'eau. Hein. Allez. L'échelle, s'il te plaît. Allô? Oui, ok, si grande que ça l'échelle. Plouf. Parfait. Ah ouais, c'est moi, je pensais qu'il y a du monde de l'autre bord. Bon allez. Enfin, on peut sortir. Oh, lumière du jour. Comme tu m'as manqué. Écoute, à propos de Tess, je sais même pas. Je vais t'expliquer comment ça marche. Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Ils penseraient que tu es folle et voudraient te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est compris? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville à quelques kilomètres au nord avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Oh nice. Okay. Need for Speed Heat. Un jour je vais faire ce jeu en let's play, je tiens à vous le dire. Ça c'est sûr. Sûr et certain. Regarde ça. Ça me rappelle où est-ce que sa fille se fait descendre un peu là. Ah, un vrai signe cette fois. Quoi, la forêt? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. Bah. Oh, let's do this. Oh, petit lapin. Tu me ramènes pas à Marlène. Si elle pouvait s'occuper de toi, elle nous aurait rien demandé. Peut-être qu'elle va mieux maintenant. Juste aller voir là-bas, c'est quoi? Je voudrais surtout pas te faire de peine, mais ton ami n'avait pas de grande chance de s'en tirer. Elle est plus solide qu'elle en a l'air. Ah, je peux pas rentrer. De toute façon, je doute qu'on puisse retourner en ville en un seul morceau. Tu peux me croire, je voudrais bien avoir une autre solution. Alright. Ce truc là, ça me fait penser dans Days Gone.
pour trouver une entrée, je pense. Tu veux qu'on grimpe ? Non, il y a un fil barbelé en haut. Faut qu'on trouve un moyen de contourner. Toi, c'est pas là pour rien. Je vais monter jeter un coup d'œil. Oh, un tuyau. Give me that pipe. What the fuck? Un tuyau avec des ciseaux? Ok. Arme de mêlée. Alright. Franchir les trous, mais j'ai aucune idée où ce qui est son trou. J'ai juste trouvé le trou qui il parle là, parce que j'ai pas trouvé de trou à date. Ah, ok, ouais. Ok, je pense que je sais. Je mets ça là, je monte en haut et je reprends la planche pour la déposer entre les deux. Je sais pas si la planche est assez longue. Et on perd rien à essayer. Hein. Tac. Tac. C'est parti. Bam. Voilà. Parfait. Je sais que c'est ici qu'il habite, mais... Non, personnellement, j'étais encore jamais venu. Et cette fumée, tu crois que c'est lui ? Il y a plutôt intérêt. Regardez, vérifiez alors. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux monter par là ou je dois descendre ? Ok, non, je dois... Par ici. Regarde où tu vas, la chute est raide. Encore les fucking zombies silencieux, là. Quoi ça? Ok, des morceaux. Il va rien avoir dans ce tiroir. Voilà, comme 90% des tiroirs. Tu te sens bien? Une bombe? J'essaie d'apprendre. Un pistolet. Une balle. Un mot? Elle essaie de siffler. Rip. J'entends un bruit. Par ici. N'approche pas. Ouais, non. Check épice. Joël, il vient de dire n'approche pas, elle se fout à côté de la porte. Surtout que c'est pas pour dire, mais je viens de crisser la brique fucking loin. Kobe. Bon, allez, nous Attends, il y a peut-être un... Il y a peut-être un truc dedans. Un mot et c'est tout. Il y en a un autre. Donc on va le laisser tranquille, Eli. Hein. On va le... Hein. On va laisser prendre sa pause syndicale. Putain, les boules.
L'autre, je sais pas s'il est parti en haut, peu importe. Ah. Monsieur est pas content. Allons chercher ça. Bon. Ah donc déjà j'avais pas vu ça. Là on est baisé. Holy shit! Le one shot sa race. Ta gueule! Ta gueule! Meurs! Sombre merde! Ah c'est les ciseaux qui ont one shot, ok. Je savais pas qu'on pouvait les tuer à part avec les trucs de feu. Là. Donc ça c'est nice. Ok, ça je peux pas le tirer, y'a rien. Il faut un truc pour être capable de passer par-dessus. À moins que je sois capable de la faire passer elle. Merde, c'est bloqué de l'autre côté. Allez, fais-moi monter. Ah, voilà. Non, c'est pas une bonne idée. Je peux pas te faire la courte échelle. Comment tu veux ouvrir sinon? Ah oui. Ok. Je te swing l'autre bord. Toi l'ouvrir, rien de plus. Yeah, voilà. Attention. Ok. Attention, je sais pas faire de bruit. Merci beaucoup. Ah ouais non, pas trop show off là. Je vais juste changer le tuyau. Une voiture de police, est-ce qu'on peut pas fouiller dedans, voir s'il n'y a pas des trucs? Bon, disons que ton pote nous file une voiture. Et après? Eh ben, après on dirait que je trouvais ta ville. Alain dit que c'est ton frère? Surtout, il faisait partie des Lucioles. Ah, son frère fait partie des Lucioles. Ok. Il vit loin d'ici, c'est pour ça qu'il nous fait une voiture. Évacuation obligatoire. Évacuer? Bon, ils sont dans la merde. À ton avis, la zone de quarantaine. Certains endroits ont eu un peu de temps pour se préparer avant que l'infection leur tombe dessus. C'est nice qu'on peut se promener comme ça, au calme. Ça doit être dur. Y a pas genre tout le temps des zombies partout. Ok, faut aller par là. Jesus. Un des pièges tendus par Bill. Nice Bill. Il est pas un peu parano ton pote? T'es nice Bill. J'aime ça. Il va falloir que je regarde ce qu'il y a. En fait, il nous a aidé à introduire des trucs en ville. Donc, capable de trouver n'importe quoi. Eh ben, espérons qu'on finira pas en miettes en le cherchant. Regarde bien où tu marches et ça ira. Ouais, genre là, je suis censé faire quoi? Tu vois ce fil barbelé? Reste en dessous, ok? Garde la tête baissée et tout ira bien. Okay. Ça marche. Juste voir s'il n'y en a pas mis un autre devant, là. J'aime pas pourquoi on a été jusque là, on pourrait continuer par là. Toi, j'y pense plus, puis PAM! Je me mange le fil barbelé. Ew! Oh, des flèches! Je suis rendu parano, si je regarde partout s'il y en a pas un. Surtout que là, ça fait une ligne parfaite. C'est quoi ce bruit, Joël? Plus jamais tu fais ça, man. Ça sonnait pareil comme un zombie. Allez, c'est parti! Let's go! Je vais tout tirer à côté, je sais déjà. Donne-le-moi. Je suis assez doué pour le tir à l'arc. Je préfère m'occuper de ce genre de choses. Ouais. Si chacun avait une arme, on pourrait se couvrir l'un l'autre. Ta gueule. Bill? T'es là, Bill? La voie est libre, monte. J'arrive. Ok, je vois déjà le truc.
faut genre que je prenne. Oh, ok. I got this. Ah, mon dieu. Tu mets ça là, tu montes. Joël, s'il te plaît. Voilà. Voilà, le tour est joué. Là, bim. Tu mets ça là. Et puis voilà, on passe. Oh, calme. Ok. C'est Rainbow Style. Fuck, il a bougé. Putain, Joël. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, écoute. Bill, c'est plutôt... Je peux reprendre une flèche en plus, c'est nice. Alors, une fois là-bas, laisse-moi lui parler. C'est un dude instable. Faut que tu comprennes. C'est qu'il a un peu de mal avec les étrangers. Bill est un type bien, mais il lui faut un peu de temps pour s'habituer aux gens. C'est... Comme Joël. Ouf, il y a une ligne juste là. No boy, tu vas pas m'avoir. Hannah. Go away. Ok. Là, il y a quelque chose. Il y a Kupwick. Merde, regarde ça. T'as entendu? Ouais. Ok, surtout ne t'approche pas. Ok. Oh, merde. Ces trucs sont plutôt cool. Chacun ses méthodes. What's up? T'as envie de chill sur le couch. Genre, à la fin, j'aurais plus de flèches. J'aurais dû prendre les fucking briques. Au moins, on commence à avoir un max de munitions. Ça, c'est bon. Wow! Piège à la cour de Bill. Là, le frigo. J'ai l'impression qu'il fait contrepoids. Ok. C'est tellement bizarre comme ça. Wow. Coupe la corde pour me faire descendre. Il va tomber sa tête. Vite, s'il te plaît. Eh oh! Le truc c'est que... Et je suis... Oh my god. Je tiens juste... Bro, j'ai de la difficulté... à tirer... Fucking hell, c'est long pour une fucking corde! Je suis désolé, mais j'ai de la difficulté à tirer en ligne droite, genre écran normal. Là. Quick. Ça en prend des balles, cette merde. Non, tabarnak, qu'est-ce que t'es en train de faire avec le frigo? Je peux pas juste tirer sa corde. C'est bon. What the fuck? Zombie. Vite,
je veux bien calice, mais... Fucking hell. C'est pour ça qu'ils m'ont donné fucking de balles. Fucking hell. Oh my god. Merci. Fucking rip. You cunt. Get the fuck out of here, boy. Ew. Ah, c'est Bill. What's up, Bill? Faut que je reload. Bruh, what the fuck? Bro, je suis fucking mort, c'est abusé. What the hell? What the f... Comment? Ouais, non, je vais faire comme Bill, juste. Check your piece. Come on, Bill, je te suis. Oh my god, faut que je suis là. Check your piece, guys. Ouf. Ok, on n'est pas en sécurité. Pardon, je ramasse les trucs en chemin. Pile tes couilles, par exemple. Jesus. Mange mon tuyau! Voilà! Voilà! Allez, ça dégage. Oh, fuck, il te passe là-dedans, merde. Yeah, fuck this. Fuck this, Bill. Plus jamais. Merde. C'était chaud. Merci d'avoir joué les héros. Oula. Ellie. Qu'est-ce que... Joël. Bill. Qu'est-ce que vous faites? Bill. Détachez-vous. Tourne-toi et mets-toi. Wow. Bill Cosby, tu vas te calmer. Là. Tu fais pas le malin. Ok, t'énerve pas. Putain. Les faits morts. Non. Les excroissances. Non, putain. J'ai rien. Si je vois le moindre tremblement. Ah. Arrête, sale petite garce. T'as fini? Si j'ai fini? Vous débarquez chez moi? Vous déclenchez mes pièges? Elle manque de me péter le bras avec lequel je tire? Non. Oh. C'est qui cette petite peste? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Ce que je fous ici vous regarde pas. On est là parce que vous avez des dettes envers lui. Commencez par m'enlever ces menottes. J'ai des dettes envers Joël. Non mais tu plaisantes. Je vais aller droit au but. Il me faut une caisse. Non. Oh. Eh ben super la blague. Joël veut une caisse. Si j'en avais une qui marche, qui est loin d'être le cas, qu'est-ce qui te fait croire que je te la filerais, hein? Bah oui, bien sûr, te gêne pas, prends ma caisse. Prends ma bouffe aussi pendant que t'y es. D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe. Écoute-moi, non, je vous emmerde, vous m'avez attaché. Je veux que tu fermes ta gueule. Ok. Je sais pas à quelle dette tu penses, mais elles valent pas autant. Alors là, Bill, détrompe-toi. De toute façon, j'ai pas de voiture qui marche. Mais il y en a une dans cette ville. Des pièces. Dans cette ville, il y a des pièces. Ça veut dire que tu peux m'en réparer une. D'accord. Et pour faire ça, je vais avoir besoin de matériel. Ok. Il est de l'autre côté de la ville. Tu vas m'aider à le récupérer. Et peut-être que je pourrais t'assembler un truc convenable. Mais après ça, on sera quitte. Ça me va. Dans quelques jours, on sera sûrement mort de toute façon. Bien. Suivez-moi. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. Oh, je sens que ça va être chiant, ça. On peut pas le louper. Ferme-la. Bon. On
conseille d'emporter tout ce qui vous paraît utile. Bon allez, on vole tout son stock. Allez, regarde s'il y a des trucs utiles dans le coin. Ça marche. Un livre. Mais il est en train de me pousser au cas. T'as tout ce qu'il te faut ? Non. Non, 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 non. Fuck. Je voulais voir si je pouvais pas construire des trucs. I guess. Ok. Alright. Je peux en créer plusieurs. Nice. On va créer des kits de soins. Molotov, je vais attendre un peu. Et puis, c'était comment pour... vitesse de soin, ça peut être pas mal. Il faut que je maintienne, ok. Artefact, tout ça, ok. Alright! Et ben, on va être prêt pour le prochain épisode qui sera... je pense qu'il va être chiant le prochain si on va dans la ville où il y a toutes les pièges là. Je vais pas vous cacher, ça a l'air plutôt dégueulasse. Bon, on a la carte de Bill. Mais bon, voilà, on va juste tout ramasser parce que, hein, on va le piller ce Bill. Et donc voilà, prochain épisode, on construit une voiture en mode Pimp My Ride. Et on va tout simplement aller dans la ville où est-ce qu'il est truffé de pièges. Et puis on va voir comment ça va se passer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle a duré extrêmement longtemps quand même, on va pas se le cacher. Et puis voilà, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien tout le monde. Peace!